Tanguy et la Verdure ont été affectés comme pilotes au Centre national d'essais en vol d'Istres, où sont testés tous les prototypes. La mise au point d'un nouveau prototype d'avion exige des centaines d'heures d'essai en vol et au sol. Tanguy est plus spécialement chargé des essais du Voltaire, un chasseur révolutionnaire capable de décoller et d'atterrir verticalement. Azur 5, ici Blanc. Prêt à vous poser ? Affirmatif, train sorti verrouillé. J'allume les réacteurs verticaux. Au corps. Vous vous sentez bien? Alors allez-y. Je vise la fosse. Ça n'a pas trop mal marché. Ah, vous trouvez? On arrête les essais, il y a trop de problèmes à revoir. Ça fait 10 jours que l'avion aurait dû être remis en chantier. Mais ça risque de retarder terriblement le programme, non? À mon avis, on pourrait encore faire 2 ou 3 vols. Bien sûr, on peut. Le risque est minime. Et après, quand vous aurez fait encore 10 vols, à quoi ça vous avancera? Je ne connais pas d'exemple de prototype dont la mise au point soit faite toute seule. J'appelle le colonel. Il va te faire changer d'avis, il faudra te lever de bonne heure. T'as raison, c'est pas de la tarte. Hein. Hey, Michel, je vais te voir le roux, il nous invite à dîner demain soir. Ah oui? Il y aura Anne. Anne, bah, Anne, je ne connais pas Anne, non? Ah oui? Ah, ça t'intéresse? Anne, ma chère Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que les chips qui poudroient et les olives qui verdoient. Quel dommage que vous ne soyez pas marié et vous m'ôtez le plaisir de vous baiser la main, c'est sincère. Oh, Ernest! Quel lyrique! Mais oui, cher Micheline, quel dommage que vous soyez marié. Dis donc, sur le Voltaire, tu as enfin résolu le problème du roulis? Ah ben, tu verras, si ça t'arrive, tu lâches tout. Le taxi va t'habiller automatiquement du vin. Robert, tu l'as piloté le Voltaire? Mais non, tu sais bien que je ne suis que le suppléant de Tanguy. Mais tu as volé dessus, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, au début, pour avoir la machine en main, mais pas à tout hasard, si... Si je me cassais un bras en skiant. Non, mais rassurez-vous, je n'ai aucune envie de lâcher la main. Le Voltaire, c'est moi jusqu'au bout des essais. Tanguy, je crois que ça se gâte. Oui. Chaque fois que nous avons les amis, les enfants sont insupportables. Michel, il faut que vous veniez dire bonsoir à André. Autrement, il n'y aura rien à faire. Oui, vas-y. Tanguy. Ah! Fais-moi le salut militaire, Tanguy, sinon je dors pas. Pourquoi tu portes pas ton uniforme? C'est pour pas le salir. Mais ça suffit maintenant, il faut dormir. Je veux que Tanguy me fasse l'avion. Michel, c'est vrai que Robert n'aura pas piloté le Voltaire? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Tu vas dormir, toi? Ça suffit maintenant. Michel. C'est idiot, mais j'ai peur. Ça doit être mon étage. J'attends un bébé. Mais c'est formidable, ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur pour Robert. C'est ridicule, Michel. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'en peux plus. À chaque fois qu'il vole, je suis folle d'angoisse. Quand on sonne, je n'ose plus ouvrir. Micheline. Depuis longtemps, je triche.
Robert ne vous l'a sûrement pas dit. Mais je lui ai fait jurer de m'appeler à chaque fois qu'il atterrit. Il laisse sonner 3 fois, il raccroche. Je suis rassurée. Mais c'est surtout depuis les essais du Voltaire que j'ai peur. Quand cet avion s'envole, c'est l'enfer. Ça fait de l'effet, mais c'est un avion comme les autres. Jurez-moi que vous ne laisserez jamais Robert vous remplacer sur le Voltaire. Je vous le jure, Micheline. À déshabiller de Voltaire. Le colonel m'a demandé d'attendre 3 ou 4 jours. Ah bon? Un ministre anglais a demandé à voir l'avion. Vous n'aurez pas besoin de moi, alors? Pas avant jeudi prochain. Oh, parfait. Mais longtemps que j'avais envie de me mettre au vert. Ça vous fera du bien. Depuis quelque temps, vous avez un caractère de cochon. Moi? Ça te paraît, toi. Salut, les gus. Salut. Salut. Alors, cet étendard? Ah, il vole. Mais j'ai pas réussi à déclencher le phénomène que nous ont signalé les types de l'aéronaval. Tu sais, quand le manche bloque au tableau, quand l'avion déclenche en vrille. Ouais. Pas vivant. Ah ouais, Léon? Dis donc, Michel, c'est la panique si tu vas pas avec moi. Demain, j'ai fichu. Oh, toi, on t'a posé à la fin. Non, je me suis emmêlé les pattes avec 2 rendez-vous. Et alors? Ben, demain, à midi, j'ai donné un rendez-vous à 2 nanas à la même. Je cherche à vous plaire. Oh, c'est ridicule. Mais vous me plaisez beaucoup. Cette salade de fruits est vraiment succulente. Hein. Mm-hmm. Pas tant. Hein. Monsieur la Verdure, téléphone. Je crois que ce coup-ci, vous avez le quartier général. Oh, merci. Un petit panique, je vous demande pardon, mais vos services, c'est le service. Hein. Ça fait jamais que la 6e fois. Oh mon chéri, je vous jure que c'est la dernière. Qu'est-ce que vous voulez, on fait toujours attendre 10 minutes comme vous dites, pour rien. Pardonnez. Eh bien, vous en avez mis du temps. Je suis désolé, c'est effrayant. Le général est complètement sourd, il me fait répéter au moins 30 fois la même chose. On a 3 jours devant nous. Alors on file. Où ça? Mais n'importe où. Je n'ai même pas ma brosse à dents. Mais on en trouve dans le monde entier, les brosses à dents. Mais je peux pas emporter une robe. Bon, on fait un saut chez vous et chez moi, juste le temps de boucler une valise et on file. Hein? Allez, en voiture. Hop là! La poupe va lancer. Allô, ici le poste de garde. Bonjour. Prévenez le colonel que les voitures officielles viennent de pénétrer sur la base. Merci. Possible, l'avion est en révision. C'est pour ça que je suis en congé. Mais vous m'aviez promis. Tiens, occupe-toi d'elle. Je vais faire un saut à la base pour voir ce qui se passe. Tout est paré, Blanc? Je suis très inquiet, mon colonel.
Le vent se lève et s'est mis complètement en travers de la fosse. Finalement, nous avons pu joindre Tanguy. Navré pour vous, mon vieux, mais puisqu'il est là, il va faire la démonstration. Ah oui, et j'ai l'air de quoi, moi? Avec ce vent, le décollage risque d'être tangent. Revenez-vous, mon commandant. Vous pressant un peu, vous arriverez chez vous pour le dessert. Oh, pour une fois, j'avais l'occasion de voler sur cet avion. Tu t'es disputé avec Anne? Non, mais j'ai rencontré ta femme, et ça n'a pas l'air d'aller très fort. Ah hein. Oui? Je serais toi, je lui téléphonerai. Bon, viens, mon vieux, mon vieux. Passe ton casque. Ouais. Commandant, votre casque! Tanguy, je serai dans le camion d'essai. Au moindre signe inquiétant, posez-vous. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot, non? Dites donc, vous avez l'air bien nerveux. En principe, je suis en train de faire du ski nautique. Remarquable, absolument remarquable. Qu'est-ce qu'il attend pour grimper? Tanguy, qu'est-ce qui se passe? Ben je tiens mal, hein? C'est vrai. Ma jeu s'embarque. Je dérape. Quelque chose qui ne va pas? Non, non, rien. Touche pas aux manches. Mets-toi face au vent. Annule ton dérapage au pied. Mais qu'est-ce que vous croyez que je fais? Je continue à déraper. Je peux de partir sur l'aile. Dans le train. Jamais on aurait dû le faire décoller avec ces rafales de travers. C'est de la folie. Tanguy, éjectez-vous. Tanguy. Attendez! Je crois que je vais m'en sortir! Ça va marcher! Ça y est! C'est gagné! Mon Dieu! Tout va bien.
Alors, je croyais jamais m'en sortir, hein. J'ai vu ça. Vous m'avez filé une sacrée trouille. Faites un circuit et revenez. Il a fait chaud là-haut. Tu viens, Micheline. Ah, vous êtes là, vous autres? Mais il a eu un accident. Il est vivant, c'est l'essentiel. Tu sais qu'on ne s'attendait pas à te voir si tôt. Si j'avais su, je serais resté ici. Je serais pas allé dans cette auberge. Parce que pendant que vous passiez votre journée à vous la couler douce, moi j'étais tout seul. Tout seul. Mangez, Ernest, ça vous fera du bien. Mangez, non, merci. Bah alors, tu dînes pas avec nous ce soir? Non, mais ça va pas, non? Oh, c'est facile de se moquer des copains quand on prend pas de risques. Hein? Parce que si je suis là ce soir, c'est un vrai miracle. Ben, ça s'arrose. Barman, un scotch bien tassé pour le rescapé. Au Voltaire. Au Voltaire.